pas mal. De l'autre côté de la route, vous allez voir CVS Pharmacy. En fait, c'est pas qu'une pharmacie, c'est également... Généralement, les supermarchés ici ont une pharmacie à l'intérieur. Ce petit supermarché, lui, il a été construit sur le concept de pharmacie. Donc, comme on dit ici, leur competitive advantage, c'est qu'ils se déclarent comme étant une pharmacie. Mais également, si vous entrez là, je vous assure, vous pouvez trouver même les sandwichs qu'ils vendent. Ils vendent pratiquement tout, la bière. Ils vendent tout. Donc, c'est juste le business model. C'est pour garder les enfants quand les gens travaillent. Publicité facile et efficace. Ça attire toujours l'attention des passants. Et ça capture toujours... Toujours l'attention de tous ceux qui passent. Ils doivent avoir ouvert un business ici. Et puis, comme j'ai dit, ils font la publicité. Ça, c'est bien. Les jeans Levi's. $35. $45. Ce magasin, ils vendent beaucoup plus les vêtements et les articles pour décorer la maison aussi. Les culottes de jeans, $20. Les bikinis. Voilà, ça c'est un rayon pour femmes. Ça. Ça va manger $250. Les appareils pour pâtisserie et consort, $350.
Hollow Knight. Les prix varient de 25 à 40 dollars. Encore des Hollow Knight. Adidas. $18. Les pantalons, les costumes. Les vêtements. Une économie de consommation. Back to school, c'est la rentrée. Draps Jennifer Lopez. Good, thank you. Pantalon en couleur, 20 dollars. Pas mal. Le lit. Le costume. 120 dollars pour le pantalon et puis combien ça coûte pour la veste? Oh, je crois que voilà les prix. Ok, le pantalon coûte 70 dollars et la veste coûte 120 dollars et voilà. Oh, les magasins Ross. On va visiter un peu aussi. Les parfums Calvin Klein, Pierre Cardin. $15.
I'll give you the microphone and just be quiet.